Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Je vais bien, Kara. On ne doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara.
Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille ? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Pourquoi est-ce que vous nous aidez ? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider ? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Laissons-les seuls. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara ? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison ! Adam, on en a déjà parlé. Non ! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines ! Ils sont vivants ! Moi, je suis vivant ! Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien ! Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam ! Arrête ça tout de suite !
Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Vite, Luther. Emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Une tasse de café? Or, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier.
Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non, il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Merci. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, ils... Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est le chien, il dort dans la buanderie. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir.